Suite à la démission du maire, M. Jean-Pierre Guillaume, devenue définitive par la notification de l'acceptation de celle-ci par le préfet le 21-01-2016, il convient d'élire un nouveau maire afin de pallier à la vacance de l'autorité exécutive. Conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance est confiée au plus âgé des conseillers jusqu'à l'élection du maire. Je vais demander, dans le même état d'esprit que M. le maire, M. Jean-Pierre Guillaume a démissionné, entre autres, pour laisser sa fonction de maire à une personne plus jeune. C'est dans cet état d'esprit que je demande à la plus jeune du conseil municipal de venir à mes côtés pour m'assister au début de ce conseil municipal, Sylvie Houdet. Avant d'ouvrir la séance, d'abord je voudrais remercier les fonctionnaires qui ont particulièrement travaillé pour qu'aujourd'hui se passe cette élection municipale. Je remercie particulièrement le service juridique dirigé par Nathalie Buffoni pour le travail que vous avez accompli. Je vous remercie. Je déclare ouvert le conseil municipal. Nous allons désigner le secrétaire de séance. Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, il est proposé au conseil municipal de décider de l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance. Qui est contre? Je vous remercie. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Valérie Miangou. Merci de votre acceptation. Nous allons passer à l'appel des conseillers municipaux. Monsieur Daray est présent. Monsieur Laroche. Présent. Monsieur Chacre. Présent. Madame Cayolle. Présente. Monsieur Guillaume. Présent. Monsieur Triste. Présent. Monsieur Casimir. Présent. Madame Rousseau. Présent. Madame Clisson. Présent. Monsieur Egea a donné procuration à Madame Lucchini. Madame Bessette. Présent. Monsieur Soustelle. Présent. Madame Pelloffi. Présent. Monsieur Molineau a donné procuration à Monsieur Didier. Madame. Excusez. Monsieur Mazinck. Présent. Madame Héringuez. Présente. Madame Pugliese. Présente. Madame Lucchini. Présente. Madame Monsieur Vespirini. Présente. Madame Didier. Présente. Monsieur Strodo. Madame. Présente. Excusez-moi. Ça, c'était l'ancien. Madame Lambrèche. Monsieur Vautier. Oui, présente. Madame Audibert Miancourt. Présente. Madame Buffort. Madame Duclos. Oui, présente. Monsieur Lacave. Présent. Monsieur Le Rudelier. Présent. Madame Forté. Présente. Madame Bageux. Présente. Madame Collier. Donnez procuration à Madame Pugliese. Monsieur Girardin. Présent. Et Madame Houdet. Présente. Je pense que le quorum est atteint. Largement. Merci. Je vais vous annoncer une partie de la séance du conseil municipal du 30 janvier 2016. L'élection du maire sera présidée par moi-même. Création des postes d'adjoints. L'élection des adjoints au maire. Délégation du conseil municipal au maire. Indemnité de fonction des élus. Désignation des représentants de la commune au sein du conseil d'administration du collège de Rognac. Désignation des représentants de la commune en charge des questions de défense seront présidés par M. le maire. Nous allons procéder à l'élection du maire. Mais avant, quelqu'un veut-il prendre la parole? Je vous remercie. Si vous le permettez, je vais vous dire quelques mots. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens, est un jour important pour notre commune. En effet, à cet instant se termine une histoire qui a duré 45 ans et qui a été bénéfique pour notre commune.
Nous avons eu Georges Batiget, 30 ans de mandat de maire, homme respectable que j'ai côtoyé pendant 12 ans. Il a fait de notre commune un endroit où il fait bon vivre. De moins de 3000 habitants, nous sommes arrivés à près de 12 000, tout en gardant ce caractère village comme il était, comme il aimait à le dire, ainsi que Jean-Pierre Guillaume. Merci, monsieur Batiget. Son successeur, monsieur Jean-Pierre Guillaume, pendant 15 ans comme maire, a continué son œuvre. Il a embelli et modernisé cette ville. Il a été fidèle à l'idée qu'on voulait de Rognac. Il lui a conservé son caractère de village, comme je l'ai dit. J'ai eu la chance d'être à ses côtés pendant 7 ans comme adjoint et pendant 2 ans comme conseiller municipal. Merci pour ton travail, Jean-Pierre. Je te remercie. Si le candidat proposé par M. Guillaume, avec le soutien de notre groupe, est élu, une nouvelle politique verra le jour. Une gestion d'avant-garde, plus moderne et encore plus efficace pour faire face aux défis de demain. Notre candidat, Stéphane, je l'ai connu à son arrivée à la mairie. C'est un garçon qui, à force de travail, a gravi tous les échelons dans sa profession. En parallèle, il s'est formé à la politique, la bonne, et à la gestion d'une commune. Ses atouts, sa jeunesse, son savoir, son sens du devoir, sa connaissance de tous les dossiers intérieurs et extérieurs, et surtout, son ouverture envers les autres. Son contact est chaleureux, mais ferme quand il le faut. Durant ces 21 années en tant qu'élu, j'ai fait partie de plusieurs groupes majoritaires. L'ambiance n'était pas toujours au top. Je pense à celui de 2001 à 2008, où l'ambition démesurée d'une personne prévalait sur la démocratie. Par contre, je suis agréablement surpris par notre groupe. Nous venons d'horizons différents. Nous avons la différence de l'âge et même de nos idées politiques. Mais tous ensemble, nous nous serrons les coudes pour travailler dans un seul but, Rognac. Je veux saluer une partie des membres de l'opposition. Ils exposent leurs idées, leurs sentiments dans un climat serein et démocratique. Par contre, je m'élève contre les insultes et les attaques sur la personne et non sur l'élu, proférées ici même dans cette salle. Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi. Nous comptons sur le nouveau maire pour établir l'ordre dans ces conseils municipaux. Nous voulons que ce maire soit aussi ferme que son prédécesseur et nous serons derrière lui pour que la démocratie règne dans cette salle. La vie est trop courte pour haïr quelqu'un. Je vous remercie de votre attention. Lecture de l'article 21-22-7. Conformément à l'article L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité, excusez-moi parce que ça me parle. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Ça serait bien de se présenter, nous les anciens, on a peut-être une chance. Notre groupe annonce la candidature de M. Stéphane Le Rudelier. Y a-t-il d'autres candidatures ? Non. Merci. Nous allons constituer le bureau de vote. Je propose au conseil municipal, comme assesseur de M. Darret, le président, M. Guillaume et Mme Valérie Lambrèche. Êtes-vous d'accord ? Qui est contre ? Merci. Nous allons alors procéder à l'élection du maire. À l'appel de leur nom, chaque élu vient déposer son bulletin, puis le président procède au dépouillement, etc., etc. Et nous déclarerons le maire élu. L'appel est appelé à présider l'Assemblée. Je vous remercie de votre attention.
Si vous voulez, M. Guillaume et Madame Lambrèche, on va se mettre. Stéphane Norudelier. Stéphane Norudelier. Stéphane Norudelier. Stéphane Norudelier. Blanc. Blanc. Stéphane. Chers concitoyens, mesdames, messieurs les élus, monsieur Stéphane Norudelier est élu avec 25 voix. Il y a eu un nul et 7 blancs. Bravo. Je demande à monsieur Jean-Pierre Guillaume de se rapprocher de moi, s'il vous plaît. Pour moi, c'était une joie intense de quitter cette présidence qui m'a donné chaud. Et j'appelle, s'il vous plaît, Stéphane Norudelier. Bleu col droit. Voilà. Allez, bravo. Allez, bravo. Allez, bravo. Cher Stéphane, profite bien, je ne t'appellerai pas souvent, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, un chapitre du grand livre de notre belle ville d'Aurognac arrive à son terme aujourd'hui. J'ai essayé, du mieux que j'ai pu, avec mes équipes successives, de maintenir cette gestion, certes rigoureuse, et surtout convivial de notre ville qu'avait instauré mon prédécesseur. Une gestion, comme on a coutume de dire, en bon père de famille. J'aspire maintenant à consacrer un peu plus de temps à mon épouse, à mes enfants et surtout à mes petits-enfants. Aurognac est une ville très sportive, puisque nous avons plus de 2200 pratiquants. Au fait, est-ce qu'il est prévu un jour au sport? Ah, je suis rassuré. Aussi, je te transmets, cher Stéphane, symboliquement, le relais. Charge à toi, avec notre équipe, d'ouvrir un nouveau chapitre de ce grand livre dont j'ai parlé au début de vos propos. Vous avez noté que j'ai parlé de notre équipe, car je ne quitte pas le navire. J'ai toujours comparé l'équipe municipale à un bateau, et peu importe celle ou celui qui hisse la voile, pourvu que la goélette vogue calmement sur les flots. Compte tenu de ton âge,
et surtout de tes compétences, cher Stéphane, je suis sûr que ce nouveau chapitre aura un volume certain. Je te lègue une ville avec un patrimoine que nous nous sommes efforcés à faire fructifier tout au long de ces 15 années de mandat. Notre dernière acquisition se trouve être la cave du Royal Provence, tout de même pour une valeur de 1,5 million d'euros, où sera édifiée la nouvelle gendarmerie. Les finances de notre commune sont saines. Vous le vérifierez dans les semaines à venir lors du vote du compte administratif. Contrairement à ce que l'opposition avait annoncé, je cite, « les caisses sont vides et les recettes et les dépenses plus importantes que les recettes. » C'est impossible. Et c'est un signe de méconnaissance de la gestion municipale. On ne peut pas présenter un budget en déséquilibre. À chaque dépense, il doit avoir une recette en face. Mais alors, on nous aurait menti? Je vous laisse juge. Mesdames, messieurs, vous constaterez au fil des mois, tout au long du mandat, que de très beaux projets verront le jour, tout en gardant une gestion saine. Et comme dit l'adage local, Rugna reverdegera toujours. Alors pour ceux qui ne sont pas du midi, Rognac reverdira toujours. De sincérité mais également de fierté que je prends la parole devant vous pour la première fois en qualité de maire élu. Et en préambule, pardon, je voudrais assurer mes chers collègues combien je prends cet après-midi la mesure de la responsabilité que vous venez de me confier, notamment vis-à-vis de toutes les Rognacaises et tous les Rognacais. Je souhaitais tout d'abord évidemment, remercier comme il se doit Lucien Daré, notre irremplaçable doyen, qui a déjà tant donné à cette ville au cours des mandats précédents et qui continuera tout au long de ce mandat à agir pour les Rognacais, et notamment dans le domaine des anciens combattants et du devoir de mémoire, en tout désintéressement et toujours avec la même passion. Merci Lucien de cette présidence de séance du conseil municipal, certes courte, mais menée avec brio et empreinte d'émotion. Je vais ensuite m'adresser, et chacun le comprendra, à Jean-Pierre Guillaume, notre ancien maire. Lui dire l'honneur qu'a été pour moi de le servir pendant 12 ans, 12 années écoulées jour pour jour. Je veux rendre ici publiquement un hommage appuyé à mon prédécesseur pour les 27 années qu'il a consacrées à équiper et à moderniser notre ville et surtout à améliorer sans relâche le bien-être de ses habitants. Cher Jean-Pierre, permettez-moi de vous appeler ainsi maintenant. Cher Jean-Pierre, donc, vous avez su préparer l'avenir de Rognac en constituant en 2014 une équipe mêlée d'expérience, de sagesse et de jeunesse. Vous avez su anticiper, vous avez su me transmettre le virus de l'engagement au service des Rognacais. À vos côtés, vous m'avez ainsi permis de me préparer depuis de nombreux mois à assumer la fonction de maire. C'est assez rare dans la vie politique locale et nationale qu'un maire puisse si brillamment préparer sa succession pour être souligné et salué à sa juste valeur. Sachez également que je suis très heureux et très fier, cher Jean-Pierre, que vous ayez accepté de rester à mes côtés au sein d'une équipe municipale à qui vous pourrez encore, j'en suis convaincu, tant apporter. Car j'ai de la chance de m'appuyer sur une équipe enthousiaste, déterminée, où l'expérience et la jeunesse se conjuguent. Et il nous reste, mes chers amis, exactement 49 mois pour honorer nos engagements.
Nous allons agir d'ici là, très vite. Nous allons même accélérer l'action dans de nombreux domaines. Je vous l'annonce, de nombreuses décisions, parfois symboliques, seront prises dans plusieurs domaines dans les prochains jours. Je pense principalement à la police municipale, à la petite enfance, à la jeunesse, à la communication ou encore à l'enseignement. Car en cet instant si solennel, je pense avec gravité au mandat qui nous a été confié il y a 2 ans par les Rognacais et à cette exigence de réussite si forte et si légitime à notre endroit qu'ils ont exprimé à de nombreuses reprises. Mes chers collègues, vous savez que nous n'avons pas le droit de décevoir. À leurs égards, nous avons une quadruple exigence. Exigence de tenir nos engagements et d'obtenir des résultats, parce que jamais la confiance dans la politique, même au niveau local, n'a été aussi ébranlée et aussi fragile. Exigence également de tolérance, de rassemblement, parce que jamais l'intolérance et le sectarisme et l'extrémisme n'ont été aussi destructeurs, parce que jamais il n'a été aussi nécessaire que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté mettent en commun leurs talents, leur intelligence, leurs idées pour dessiner l'avenir de notre commune. Exigence ensuite de modernité, parce que dans ce monde en pleine mutation, tout retard dans la modernisation de notre commune peut être fatal et devient vite irrattrapable. Exigence enfin de sécurité et de protection des Rognacais en ces temps si troublés et si peu incertains. Cette exigence, elle doit se traduire dans les prochaines semaines par une accélération de nos actions. Après installation des conseillers municipaux dans leur nouvelle délégation, nous donnerons le tempo de la deuxième partie de ce mandat qui sera volontairement beaucoup plus soutenu. J'ai aujourd'hui la responsabilité et la charge de continuer à structurer la collectivité pour atteindre nos objectifs dans le respect de ses acteurs, que ce soit les membres du personnel communal, dont je salue le professionnalisme, mais également les élus. Chers collègues de l'équipe majoritaire, permettez-moi de vous remercier publiquement d'avoir accepté de m'accompagner dans cette aventure extraordinaire. J'ai détecté en chacun d'entre vous cette petite flamme qui a fait que vous avez eu la conviction que l'on pouvait collectivement proposer un projet aux Rognacais et le mettre en œuvre. Je pense cet après-midi particulièrement à ces nombreuses heures passées, ensemble, il y a un peu plus de 2 ans, pour débattre sans fin de nos orientations, de nos propositions, de nos projets. Rappelez-vous de ce groupe de personnes qui s'est étoffé au fur et à mesure avant de composer cette équipe soudée, compétente et déterminée. Et puis je pense enfin à celles et ceux qui, durant les mandats précédents, en qualité d'élus, ont contribué par leur expérience, leur confiance ou leurs conseils avisés à ce que je puisse un jour porter cette écharpe. Par ailleurs, je voulais, devant vous, avec pudeur néanmoins, associer ma famille, mes parents, dont je salue la présence dans cette salle d'honneur, et associer également mes amis proches à ce moment solennel. Leur soutien a été pour moi une force considérable. Alors, mes chers collègues, j'ai conscience des responsabilités qui sont les miennes. Sachez avant tout que je m'inscrirai dans la continuité de mon prédécesseur, dans la continuité des valeurs qui nous sont communes, mais avec mon style, mon approche et mes convictions. Car le conseil municipal m'a confié une mission. J'essaierai de la remplir. J'essaierai de la remplir scrupuleusement, avec la volonté d'être digne de la confiance que vous m'avez manifestée. La tâche sera difficile et elle devra s'inscrire dans la durée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de remplir mes fonctions de maire à plein temps. J'ai cessé, depuis plusieurs mois, déjà mon activité professionnelle pour me consacrer uniquement à la conduite des affaires communales. C'est un choix personnel d'implication totale. Je demanderai à mon équipe, dans cette même philosophie, une présence intensive et réelle dans les délégations et obligations respectives qui seront les vôtres, ceux dès lundi matin. Car après ce moment solennel que nous sommes en train de vivre, viendra le temps de l'action. Et ce, encore une fois, dès la semaine prochaine. L'élection d'un nouveau maire et de son équipe n'est pas un aboutissement en soi.
C'est au contraire un point de départ pour la continuité de la réalisation du projet ambitieux pour lequel nous avons été élus il y a 2 ans. Mesdames, Messieurs, je n'ai plus qu'un vœu à formuler cet après-midi. Le vœu d'une ville rassemblée et unie. Et je dis à l'opposition municipale, je sais qu'elle représente une partie de la population qui s'est exprimée il y a près de 2 ans. Et qu'à ce titre, ses propositions, comme ses remarques, doivent être écoutées et respectées. Bien sûr, s'il revient à la majorité municipale de mettre en œuvre son projet, il revient à l'opposition de jouer son rôle et de dire ses vérités et ses contre-propositions dans un esprit de respect constructif. C'est le jeu de la démocratie et je le respecterai parce que je suis profondément un fervent défenseur de la République. Néanmoins, j'aimerais attirer l'attention sur un point. Je ne laisserai pas pour autant importer au sein du conseil municipal des polémiques stériles et vaines qui font partie du passé et qui ne présentent plus aucun intérêt pour le devenir de Rognac. Nous ne construirons pas l'avenir de Rognac les yeux rivés sur le rétroviseur. À chacun donc d'avoir bien à l'esprit que ce que les Rognacais nous demandent, c'est de parler de Rognac, c'est de s'occuper de Rognac et non de parler de sa propre personne. L'ancien maire Jean-Pierre Guillaume n'a eu de cesse de le répéter durant 15 ans en qualité de premier magistrat. Je ne changerai pas de refrain, au contraire, je l'accentuerai. Et puis, nous devons faire preuve de rassemblement, c'est même une exigence, comme je l'ai déjà souligné, car je suis convaincu que quand une décision dépasse les clivages politiques, parfois si factices, elle est mieux comprise encore. Il y a mieux que les références partisanes pour régler les problèmes. Je crois davantage à la recherche de l'efficacité, à l'esprit de responsabilité et au bon sens, voilà de bonnes garanties pour faire une politique apaisée pour notre ville. Pour conclure, mes chers collègues, je vous ai dit en préambule toute l'émotion qui était la mienne au moment où je prends ces fonctions. Alors, mes chers amis, je peux vous assurer, je serai et je garderai toute ma vie le souvenir de ce moment si fort où, au nom de la majorité des Rognacais, vous m'avez élu maire de Rognac. Mais l'essentiel n'est pas là. Je voudrais vous garantir que je mettrai toute mon énergie, toutes mes forces au service de cette ville qui m'a tant donné. Et pour conclure définitivement mon propos, je vais demander à M. Jean-Pierre Guillaume de venir me rejoindre pour siéger à ma gauche en qualité de conseiller spécial. Ce sera le symbole de l'union de la sagesse et de la jeunesse et surtout la transmission de témoins qui honore mon prédécesseur. Je vous remercie. Qui est la fixation du nombre d'adjoints au maire. Conformément à l'article L2122-2 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déterminer le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit un maximum de 9 adjoints pour une assemblée de 33 conseillers. Je vous propose donc de créer 9 postes d'adjoints. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Vous permettez, je voudrais juste dire quelque chose avant qu'il y ait le vote de ces postes adjoints. Il est de coutume que l'opposition prenne la parole après la prise de poste du nouveau maire. Je ne le ferai pas immédiatement, si vous le permettez. J'attendrai que la première partie du conseil municipal soit... vous avez deux parties. Vous avez celle qui concerne le nouveau mandat et la... Donc je répète, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Élection donc maintenant des adjoints au maire.
troisième rapport. Donc, conformément à l'article L2122-7-2 du CGCT, je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du CM. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe, ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de chaque liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont déclarés élus. Bien, je vais donc déposer, en ce qui me concerne, la liste pour l'équipe majoritaire. Donc, on dénommera la liste A, si j'ai bien compris. Je vous propose, en qualité de premier adjoint, Madame Sylvie Misselli-Houdet. Deuxième adjoint, Monsieur Jean-Michel Mazinck. Troisième adjointe, Madame Marie-Antoinette Cayolle. Quatrième adjoint, Monsieur Guy Laroche. Cinquième adjointe, Madame Angélique Forté. Sixième adjoint, Monsieur Henri Casimir. Septième adjointe, Madame Véronique Strodo. Huitième adjoint, Monsieur Roland Chacre. Neuvième adjoint, Madame Valérie Mioncourt. Y a-t-il d'autres listes ? Bien. On va pouvoir procéder au vote. Et donc, je vais, je pense, faire l'appel de l'ensemble des conseillers municipaux pour venir là-bas. Madame Didier pour Monsieur Molineau. Je vais prononcer les résultats. Donc la liste A de l'équipe majoritaire, 25 voix, 1 nul et 7 blancs. Donc la liste A est élue dans la globalité. Bravo. Alors je vais appeler un par un les adjoints pour venir siéger à mes côtés dans l'ordre du tableau et de leur élection. Donc, en premier lieu, j'appelle Madame Sylvie Misselli-Houdet. Merci.
Passer au rapport numéro 4, et donc continuer l'ordre du jour, notamment sur la délégation du conseil municipal au maire. Je vais vous lire le préambule, même si c'est un peu juridique. Au terme de l'article L21-21-29 du CGCT, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est donc une des compétences générales dont est investi le conseil municipal pour délibérer sur les affaires communales. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité, le conseil municipal n'est tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre, même si on a un rythme un peu plus soutenu, que pour des motifs de bonne administration, ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. Ces pouvoirs qui peuvent être délégués en tout ou partie par le conseil municipal au maire pour la durée de son mandat figurent l'article L21-22-22 du CGCT. Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à charge pour lui de rendre compte de ses décisions à chaque réunion du conseil municipal. On en aura une illustration tout à l'heure en application de l'article L21-22-23 du CGCT. Ce n'est que dans le cas où la présente délibération l'y autorise que le maire peut subdéléguer un adjoint en application aux articles 21-22-18 du CGCT. Je vous passe la loi NOTRe et je vous demande que suite à l'élection du maire et afin de permettre le bon fonctionnement des services et une meilleure gestion communale, je demande donc au conseil municipal de déléguer un certain nombre de ses pouvoirs. Je vous fais fi de la liste. S'il y a des observations, je suis prêt à les entendre. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc rapport numéro 5, indemnité de fonction des élus, donc pour compenser les charges et les pertes de revenus liées à l'exercice de ces mandats, la loi prévoit un régime indemnitaire pour les maires, les adjoints et certains conseillers municipaux. Ces indemnités sont régies par les articles L21-23-20 à L21-23-24-1 du CGCT. Des conditions doivent être respectées afin de prétendre à une indemnité de fonction. L'élu doit exercer effectivement son mandat. Pour déterminer cet exercice effectif du mandat, la jurisprudence retient trois critères cumulatifs. Un critère de compétence, le maire peut prétendre à cette indemnité dès le vote de l'Assemblée délibérante de son entrée en fonction. Et deux critères matériels, pour l'adjoint, la délégation doit être expresse et l'élu doit effectivement exercer ses fonctions. L'Assemblée délibérante doit avoir voté l'indemnité de l'élu. Concernant la forme, toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des taux des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. C'est ce que vous avez sur le rapport. Voilà, donc y a-t-il des observations ? Question. Autant il est facile d'identifier les indemnités pour les adjoints, pouvez-vous me préciser qui est le 2e, 12e, 13e et 14e conseiller municipal ? Bien sûr, le 2e conseiller municipal, c'est Jean-Pierre Guillaume. Le 12e, c'est M. Lacave. Le 13e, c'est Mme Bageux. Et le 14e, c'est M. Bruno Gérardin. Voilà. A-t-il d'autres questions au niveau de l'opposition ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On s'abstient, monsieur. Merci. Rapport numéro 6, désignation des représentants de la commune au sein du conseil d'administration du collège de Rognac. Vous savez que la commune siège au sein de ce conseil d'administration. Je vous demande de ne pas recourir au scrutin secret pour procéder à cette désignation. Et nous avons donc la possibilité de nommer trois représentants. Et je propose donc moi-même Madame Sylvie Michel-Lioudé et Monsieur Jean-Fabrice Lacave. Y a-t-il d'autres candidats ? Non ? C'est Madame Oudé.
remplace Madame Forte. Hein? Pardon? C'est Madame Houdet qui remplace Madame Forte? Absolument, oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? On s'abstient. Rapport numéro 6, désignation du représentant de la commune en charge des questions de défense. Donc, l'article 21-21-33 du CGCT permet au conseil municipal de disposer de la faculté de désigner certains de ses membres qui seront appelés à siéger au sein des organismes extérieurs et participer ainsi à leurs travaux. À la suite des derniers événements municipaux et conformément aux circulaires du ministère de la Défense du 26 octobre 2001 et du 18 février 2002, il convient de procéder à la désignation d'un élu comme correspondant de défense pour la commune dont la vocation est de devenir un interlocuteur privilégié pour la défense. Il s'agit de disposer au sein de chaque commune d'un correspondant identifié dont la fonction est de servir de relais d'information entre le ministère de la Défense et donc les communes. Ce réseau local est animé par le délégué militaire départemental. Et donc, conformément à l'article 52.11-7 du CGCT, cette désignation a lieu au scrutin uninominal successif à bulletin secret à la majorité absolue. En application de la loi Responsabilité et Liberté locale du 13 août 2004, codifiée à l'article 21.21-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour procéder aux nominations et désignations. Donc je vous le demande, qui est contre, qui s'abstient, bien. Donc je vais proposer comme candidature en ce qui concerne notre groupe, M. Roland Chacre. Y a-t-il d'autres candidats? Alors pour M. Roland Chacre, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Lucchini, vous avez la parole, puisqu'on on a fini la première partie du conseil municipal. Tout à fait. Alors, vous avez dit que j'ai une intervention à faire. Elle est écrite pour qu'elle figure bien dans son intégralité dans le procès-verbal du conseil municipal. Avant mars 2014, durant la campagne électorale, l'équipe d'Agir Ensemble pour Ognac dévoilait déjà la probable démission de M. Guillaume après son élection. Informer les Rognacais m'aura valu personnellement les foudres des membres de cette équipe municipale. Nombre de ceux qui siègent désormais dans cette assemblée délibérante, me traitant de menteuse, osaient jurer main sur le cœur que ce petit arrangement entre amis n'avait jamais été comploté. En ce triste jour pour Rognac, on voit aujourd'hui de quel côté se trouvait la vérité. Pour ma part, je ne cache pas avoir été blessée, mais uniquement par le jugement de ces anciens, ayant grande estime pour M. Guillaume. Leur critique à mon égard fut sévère, mais sans doute n'imaginait-il pas que l'enfant du pays puisse ainsi les trahir. Or, depuis l'élection de votre équipe, l'actualité n'a fait que confirmer tous mes propos. Après les augmentations d'impôts de 2015, malgré votre promesse électorale de ne pas les accroître, vient cette démission sans justification plausible. Et que ceux qui osent dire que le maire démissionnaire s'était représenté uniquement pour contrer le FN, car certains ici présents le prétendent, je rappelle qu'aucune liste n'était en lice pour l'élection municipale de 2014. Alors pour l'abandon du titre, les négociations ont débouché sur une première à Rognac. Création d'un poste de conseiller spécial pour l'ancien maire, assorti d'une indemnité, et pas la moindre par rapport aux adjoints. Qui croira encore que l'argent ne motive pas les élus que vous êtes? Vous voir feindre d'ailleurs la surprise de M. Guillaume, tout à l'heure, m'a fait doucement sourire. Et pour le remplaçant qui vient d'être élu, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Vous faites partie de ces élus pour qui la politique est un métier, ce qui est loin de ma conception de l'engagement au service des autres. Il suffit de savoir que vous avez emménagé sur Rognac qu'une fois élu premier adjoint, et donc totalement assuré que notre ville pourrait servir vos ambitions personnelles. Excusez-moi, pour bien comprendre en quoi consiste votre attachement à notre ville. Si certains pensent innocemment que vous serez synonyme de renouveau, grande est leur méprise. Depuis des années, votre fonction de collaborateur du maire vous a permis d'actionner dans l'ombre toutes les ficelles. Et ce que j'appelle votre incohérence politique, pour rester correcte, a malheureusement déjà transformé nombre d'employés et de concitoyens en victimes. Mais il me faut reconnaître une grande erreur dans mon parcours politique, celle de vous avoir recruté.
mais cela a au moins eu le mérite de me permettre d'ouvrir les yeux bien avant tout le monde. Parce que vous verrez, mesdames et messieurs, vous aussi, vous finirez tous par les ouvrir. C'est seulement une question de temps. Déjà, les conditions de cette élection permettent de mesurer le courage qui vous habite. En politique, il y a les courageux et il y a les lâches. Dans cette catégorie se rangent ceux qui sont trop heureux pour affronter leur adversaire au travers des urnes. Elles seules donnent la véritable légitimité. Et le manque de courage fait alors user de duperies et de grandes manipulations pour les contourner. Nous savions ce qui se tramait, mais ce qui est plus navrant encore, je dirais que c'est de vous voir tous, les adeptes, cautionner ce type d'agissement qui salit la classe politique. Le peuple, hélas, des mensonges, des promesses non tenues, des petits arrangements entre amis. Tout cela contribue à faire monter des extrêmes, et chacun sait, en ce domaine, Rognac atteint désormais des records, votre responsabilité est donc très grande. Mais il y a toutefois un côté positif à tirer de ce lamentable spectacle. C'est que vos actes crédibilisent plus que jamais notre propre parole, qui s'est toujours voulue honnête et sincère. Comme le dit le dicton, le mensonge prend toujours l'ascenseur et la vérité l'escalier. Alors certes, elle arrive plus tard, mais elle finit toujours par arriver. La voici donc aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui se la prennent en pleine figure et ils découvrent comment la démocratie à Rognac écrit là une de ses plus sombres pages. Mais contrairement à tous ceux qui nous ont précédés sur ces bancs de l'opposition et qui ont démissionné le lendemain de leur défaite, nous sommes toujours là, nous ne baissons pas les bras. Nous démontrons ainsi notre volonté de toujours être à l'écoute de tous nos concitoyens, tout en veillant à protéger l'intérêt général. De plus en plus nombreux sont ceux qui nous déclarent compter sur nous, parce qu'ils ont compris que notre devise est intangible, servir, ce que nous n'avons jamais confondu avec se servir. À ce propos, notre vigilance sera accrue. La loi interdit certaines pratiques. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais l'attribution d'une voiture de fonction 24 heures sur 24, que ce soit pour le maire ou pour un quelqu'un élu, ne fait pas partie des avantages autorisés. L'utilisation d'une voiture de service, oui. Je vous invite donc à bien vous renseigner pour faire la différence, car nous ne tolérerons rien qui ne respectera pas la loi. Soyez-en assurés. Et ce n'est qu'un exemple. Vous parlez d'économie et de restrictions. La moindre des choses, c'est bel et bien que vous vous appliquiez à vous-même ce que vous imposez déjà au personnel. Et lui est témoin de tout. Enfin, pour ceux ici présents qui pourraient vouloir juger le contenu de ma déclaration, sachez en fait qu'elle n'a rien de caustique. Elle est tristement réaliste, alimentée par cette actualité qui ouvre tardivement les yeux. Mais fort heureusement, il n'est jamais trop tard. Bien, merci pour ces propos très, très constructifs pour le devenir de Rognac. On va passer maintenant, si vous voulez. Pardon, excusez-moi, je vous oublie à chaque fois. Allez-y, je vous en prie. Donc voilà, moi je voulais quand même vous faire une petite intervention aussi par rapport à ce jour qui est particulier à Rognac. C'est, n'en doutons pas, un grand moment de la vie démocratique locale. Et nous assistons, à mon sens, à la fin d'une bonne blague d'un maire humaniste avant tout, rognacais, rognaciste, de surcroît, qui cède finalement la place à un maire positionné clairement à droite, sous la bannière des Républicains. Ça dépend des moments. Nombreux sont les rognacais et les rognacaises qui n'ont pas voté pour cela, notamment des gens de gauche. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, ternir la petite fête des nouvelles promotions, mais permettez-moi tout de même de rappeler que nous vivons dans un pays où les inégalités ne cessent de se creuser, où le pouvoir d'achat des ménages est de plus en plus laminé et où la question du logement reste un problème crucial pour beaucoup. Que nous vivons dans une commune qui atteint péniblement les 10% de logements sociaux malgré les efforts obligés de la dernière période. Que nous vivons dans une ville qui vient tout juste d'accepter d'appliquer une tarification basée sur le quotient familial, vu l'ampleur de la crise. Dans une commune aussi qui n'a pas, comme d'autres, compensé la hausse de la taxe de l'intercommunalité. Je suis consciente que notre budget dépend pour une part essentielle des moyens que nous attribue l'État pour l'exercice des missions qu'il nous confie. Mais la gestion locale dépend aussi d'orientations locales. Au plan national, les orientations et les décisions de réduire de manière drastique les dotations aux collectivités persistent, malgré des délibérations de plus de 20 000 communes qui ont demandé au gouvernement de revoir sa copie, et la mobilisation nationale du 19 septembre à l'appel de l'AMF. Face à la surdité gouvernementale, il n'y a pas d'autre solution que de prendre de nouvelles initiatives pour amplifier le mouvement, avec l'aide et l'intervention des citoyens.
si rien ne bouge, entre 2014 et 2017, ce sera en cumulé 28 milliards d'euros de moins pour les investissements utiles à nos territoires et nos concitoyens. Pour ma part, je reste convaincue qu'il est pourtant possible de faire autrement dans un pays qui est la sixième puissance économique du monde, qui mobilise des milliards d'euros pour des politiques qui ne produisent aucun effet sur l'emploi, et vous l'avez compris, je pense singulièrement au CICE. Autant de moyens qui pourraient être utilisés bien plus utilement par des collectivités comme la nôtre. Je remarque que certains de ceux qui critiquent à juste titre la situation actuelle sont les mêmes parfois qui proposent pour l'avenir d'aller encore beaucoup plus loin dans la réduction de la dépense publique. Et pour être tout à fait clair, c'est le cas de bon nombre d'élus de droite. Alors oui, je terminerai mon intervention par ces quelques mots. Il est temps de reconstruire à Rognac une gauche qui ne renonce pas, qui ne se renie pas. Une gauche qui repense l'avenir et qui agit pour le bien commun, qui redonne du sens à l'action collective. Une gauche qui ne soit pas emprisonnée par la peur, ni de la droite dure, ni de même de l'extrême droite. Je suis convaincue que la gauche rognacaise associative, syndicale et politique peut bousculer ce scénario, même si remettre en cause des plans de carrière tout tracés ou légitimement espérés représente parfois un effort. Aussi, je reste ouverte à tous les dialogues pour inventer une alternative, une démarche collective et citoyenne pour un projet commun pour l'avenir de notre commune. Merci de votre attention. Bien, on va passer donc à la deuxième partie de ce conseil municipal. On a deux procès verbaux donc à analyser tous ensemble. Y a-t-il des questions sur le procès verbal du conseil municipal qui s'est tenu le 26 novembre 2015 ? Non ? Bien, donc on en prend acte. Et celui du 17 décembre 2015 ? Oui, moi j'ai quelque chose à dire à ce propos. Je n'étais pas là la dernière fois, mais j'ai été mise plusieurs fois en cause. J'ai pu relire la transcription intégrale et voir la vidéo. Et je voudrais donc apporter quelques rectificatifs, parce que bon, les rognacais ont accès aux vidéos, ils peuvent se faire une certaine idée. Donc je voudrais revenir sur, je crois qu'il y a trois points. Vous avez interpellé M. Molineau la dernière fois en prétendant que, une fois encore, je mentais, comme vous avez l'habitude de le dire. Vous avez dit que dans le cadre, vous savez, des événements dramatiques, les attentats du 13 novembre, j'avais dit, à tort, qu'il y avait eu des interventions sur Rognac, 5. Vous avez affirmé haut et fort que c'était faux. Vous avez dit, portez-moi l'article. Si tel est le cas, je me dédierai. Voilà. Donc nous vous avons porté l'article. Ouais. Et ça date du 18 novembre, c'était quelques jours après les attentats. Je vais vous lire juste le début. Après les 15 perquisitions menées dans le département dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont amené à l'interpellation d'un individu de 23 ans à Marseille dans le 14e, 14 nouvelles opérations ont été effectuées dans la nuit de lundi à mardi à travers tout le département. Selon nos informations, les gendarmes ont visité 5 objectifs dans la commune de Rognac et une en Suisse. Je pense qu'au poste qui est le vôtre, vous devez savoir quand même qu'effectivement, il y a des familles de Rognac qui ont été entendues et qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Donc déjà, votre première affirmation était fausse. Ensuite, vous avez continué à m'accuser de mentir, toujours, hein, à propos de, vous savez, l'expression que je donne tous les mois. Vous avez dit à M. Molineau, vous rendez compte, votre chef de file a osé dire que les cambriolages avaient doublé, enfin, avaient doublé sur Rognac. Donc, j'ai ici le papier que j'ai donné, hein, avec le tampon couvant, où je n'ai jamais dit que ça avait doublé. Donc je ne comprends pas pourquoi vous mentez systématiquement. Hein. C'est la question vraiment que je me pose. Alors, je vais vous reprendre exactement les termes. Excusez-moi, j'ai oublié juste de mettre le... Attendez. Enfin, de toute façon, vous l'avez. J'ai employé le terme à exploser. Ah, c'est pire. Non, c'est pas pire. Ah. Non, non. Les mots ont un sens. Oui, d'accord. Hein. Donc ce n'est pas doublé. Voilà. Et j'aimerais bien, lorsque je ne suis donc pas là... Donc ça a explosé, donc c'est faux. Vous avez dit doublé, monsieur. Bon, écoutez, madame Lucchini, je vous il y a les chiffres encore de la gendarmerie. Vous ne les donnez jamais. On les donnera la prochaine fois. Monsieur Lacave vous les donnera, puisqu'il participe, monsieur Chacre, aux commissions de sécurité. Les chiffres de la délinquance sur l'année
2015, je parle de la délinquance de proximité, ont été diminués par 2. Alors, et là, vous êtes en train de nous dire que la délinquance a explosé, donc c'est faux. On parlait d'agression physique, on parlait des cambriolages, des vols de voitures et autres délits. Ça s'appelle la délinquance de proximité. On disait qu'il y avait une explosion, nous n'avons jamais parlé de doublé. Maintenant, ce qui me fait beaucoup rire lorsque nous vous posons des questions, c'est nous vous fournirons, ça fait des années. Je dis bien des années, que chaque fois qu'on vous pose une question... Il y a le caractère officiel... Si vous permettez, je termine mon propos. Non, mais attendez, je suis président de séance, vous n'allez pas m'interrompre sans arrêt. Je vous donne la parole et je vous la retire quand je veux, madame. C'est vous qui m'interrompez. Non, je m'excuse, je m'inscris en faux. La gendarmerie nous a demandé de ne pas diffuser ces chiffres tant qu'on n'a pas l'accord du ministère de l'Intérieur. Donc, une fois qu'on aura eu l'accord du ministère de l'Intérieur, une fois que ces chiffres seront officiels, on vous les donnera bien volontiers. Bien volontiers, voilà. Comme d'habitude. Donc, c'est pas la peine de polémiquer, de parler sans avoir les chiffres. Ça fait six c'est bien ans. Ce que je vous dis. Ça vous fait parlez sans ans, avoir les chiffres. Ça fait 6 ans que chaque fois qu'on vous réclame les chiffres, vous ne les donnez pas. La dernière fois, vous avez parlé de 30 à 40% de recul de la délinquance. Le maire au vœu a parlé de 50%. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de cohérence dans ce que vous on vous donnera les chiffres. Il y a une cohérence dans notre politique en matière de sécurité. La preuve, la gendarmerie l'a saluée. Vous nous donnerez les chiffres. Ensuite, voilà. Troisième point, monsieur Laroche, vous vous êtes permis de parler de ce que je... Excusez-moi, 30 secondes. Vous vous êtes permis de dire que sous mon temps, le personnel, beaucoup avait valsé. Hein? Et vous avez parlé de Madame Flerquin. C'est un exemple que j'ai donné. Non, mais vous avez parlé de Madame Flerquin. Flerquin, je vous ai trouvé particulièrement gonflé de parler de Madame Flerquin. Parce que si Madame Flerquin, elle n'a pas valsé de mon fait, Madame Flerquin est partie, pour des raisons que vous connaissez très bien et que je n'étalerai pas ici, parce que je pense que ce n'est pas le lieu, mais je dirais que la seule chose qui l'a motivée pour partir, parce que je n'ai pas accédé à sa demande, et sa demande, c'était la tête de Monsieur Le Rudelier. Et voilà, vous voyez, donc vous voyez, c'était la seule chose. Vous n'êtes pas au courant? Vous feignez bien, voilà. Franchement, vous feignez c'est... bien. Et vous aussi. Non, je ne fais pas. On va voter les PV puisque on est loin de... Mais je crois qu'il faut quand même rétablir... constructif de votre part, vous n'avez fait aucune proposition, vrai. Comme d'habitude. Mais faire des propositions, alors, c'est simplement montrer que dans vos affirmations, c'est rempli de mensonges, c'est tout. Vous écrivez tout au long des conseils de mensonges. Vous n'avez pas de chiffres, mais vous écrivez comme vous quoi, non plus, vous n'avez pas de chiffres, vos chiffres varient en fonction de l'humeur. Nous, on n'écrit rien tant qu'on n'a pas les chiffres, c'est le différent. 30, 40, on va voter 30, 40, les 50. Procès, s'il vous plaît, Madame Bucchini, on va voter les procès verbaux. Donc, qui est contre le procès-verbal du conseil municipal du 26 novembre 2015. Nous sommes contre. Qui est contre le procès-verbal du 17 décembre 2015. C'est celui-là, on dit qu'on disait quoi. Non, moi je parlais du 26. Vous l'avez déjà fait voter tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas fait voter, madame Bucchini. Bon, allez, si vous voulez. On reverra la vidéo. Si vous voulez. Bien sûr. Alors, on a juste pris acte. Le 17, on est contre. Merci. Donc le 26, vous êtes pour, 26 novembre. Oui. Très bien, merci beaucoup. Bien, rapport numéro 8. Compte rendu au conseil municipal des décisions prises par monsieur Jean-Pierre Guillaume, l'ancien maire. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote des subventions de fonctionnement aux associations locales pour 2016. Rapport numéro 9. Moi, je ne sortirai pas, mais je m'abstiendrai. Enfin, je... D'accord. Vous ne participez pas au vote. Moi aussi. Merci. Moi aussi, monsieur Le Rudelier. Oui. Moi aussi. Je ne participerai pas vis-à-vis de l'ARCA. Très bien. Voilà. Absolument. Est-ce que ces montants correspondent aux demandes qui ont été faites par les associations? Dans la globalité, oui. Indirectement, on a quelques nuances à la marge, étant donné qu'on a voté un nouveau règlement intérieur. Vous savez qu'il y a des critères qu'on applique sur les subventions de fonctionnement. Donc, mais somme toute, dans la globalité, vous avez vu l'enveloppe, elle est maintenue à 502 000 euros exactement.
il y a quelques nuances, mais c'est des centaines d'euros. Si vous voulez, je vous donnerai la liste. C'était bien d'avoir les demandes. Ça fait des années qu'on le réclame. Ouais. On vous les fournira la prochaine fois. Bien sûr. J'ai des questions là-dessus aussi, si vous permettez. J'aimerais que vous leviez la main, madame. Oui, oui, mais je l'ai levée. Donc vous levez la main et je vous donne la parole. C'est comme ça dans le règlement intérieur, j'aimerais que vous le respectiez. Ouais, voilà. Je respecterai aussi dans l'autre sens, alors qu'on me coupe la parole. Je suis président de séance, c'est pas la même chose. Madame Lucchini, c'est à vous. Alors je vous disais qu'hier. D'abord, ma première question, c'est comment se fait-il qu'on vote les subventions en dehors du vote du budget ? Madame Lucchini, je vous fais référence. On a voté le 36. Madame Lucchini, je fais référence au nouveau règlement. Qui a été voté il y a quelques mois, où on avait dit qu'on allait coller sur le rythme des associations avec un besoin de trésorerie qui s'annonce dès le mois de janvier. J'ajoute une chose, c'est que les avances qui étaient effectuées antérieurement n'étaient pas légales. C'est-à-dire qu'on faisait une avance sur le budget de fonctionnement de l'année N+1 dès l'année antérieure. Donc voilà pourquoi on vote très tôt. Les subventions pour qu'on puisse débloquer ces fonds pour les associations et on inscrira la somme globale au niveau du budget primitif qui sera débattu courant avril. Mais ça me paraît pas tout à fait logique qu'on vote un montant, autant on peut voter des avances puisqu'on les vote, autant là... Non, vous ne pouvez pas. Les avances, s'il te plaît. Les avances, vous ne pouvez pas. Juridiquement, vous ne pouvez pas. J'ai compris. On l'a fait pendant des années. Bon, ce n'était pas légal, on ne peut pas. Voilà. Et là, vous votez donc des subventions sans que nous ayons voté le budget. Oui. Donc ça ne pose pas de souci. Absolument pas. D'accord. Ensuite, une autorisation de dépenses antérieure au vote du budget. Oui, mais étant donné qu'on ne l'a pas vu lorsque vous votez, par exemple, les avances pour travaux ou quoi que ce soit... Mais quand vous votiez des avances... C'était la même logique, puisque c'était inscrit sur le budget N+1. Oui, mais on sauf que vous n'étiez pas dans l'annuité budgétaire. On délibérait pour ça. Bon, là, c'est vous. Bah non, on délibère pour ça. D'accord. Alors ensuite, je voudrais savoir une chose. Pourquoi on a-t-on regroupé les subventions aux coopératives scolaires ? Regrouper les subventions ? Aux coopératives scolaires. C'est mon collègue qui m'a... Qui m'a dit ça, qui m'a fait remarquer M. Molineau, qui devait être présent et qui, au dernier moment, on a pu l'être. Donc, je vous lis ce qu'il m'a dit, hein, peut-être. Les coopératives ont reçu une somme de 75 679 en 2014, 48 519 euros en 2015, contre 24 140 en euros. Pourquoi de telles baisses pourquoi de telles baisses Je pense que ça prenne en compte, allez où Angélique? Allez, parti. Les classes, c'est les classes transplantées, la délibération, elle arrive après, hein, donc vous faites le cumul des deux, vous devez arriver approximativement au même montant. Puisque, en fait, vous avez confondu des subventions de fonctionnement avec des subventions exceptionnelles, puisque les classes vertes, c'est sous forme de subventions exceptionnelles, parce que ça dépend des projets. Voilà. D'accord. Alors ensuite, certaines associations, que ce soit le cyclotourisme, le handball et l'Ardèche notamment, n'apparaissent pas sur les tableaux fournis. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas déposé de dossier? Il n'y a pas eu de demande. Pas ce jour. Enfin, pareil, je traduis la question de mon collègue, puisque nous nous étions répartis un peu les tâches. La notation pour les lignes d'eau, 13 000 euros. Le basket, le déplacement national pour 1 000 euros. Bénéficient de subventions exceptionnelles alors que les dépenses mentionnées sont purement de fonctionnement. Voilà. Les dépenses quoi ? Mentionnées ? Oui, c'est-à-dire 13 000 euros de ligne d'eau. Donc vous les faites apparaître en subvention exceptionnelle alors que ce alors, sont... Alors je vais donner la parole à M. Laroche puisque c'est lui qui a instruit. Les 13 000 d'eau, ligne d'eau étaient précédemment englobées dans la subvention de fonctionnement. C'est bien ça ? Aujourd'hui, nous l'avons sorti. Pourquoi ? Nous l'avons sorti parce qu'il fallait la sortir comme ça, de la présenter différemment. Et pourquoi la sortir ? C'est pas exceptionnel parce que toutes les années on paye des dépenses. Pour le moment, c'est pas exceptionnel, mais on préfère qu'elle soit indépendante du fonctionnement traditionnel d'une association. Et vous nous avez dit pendant des années que tout ce qui était récurrent de rentrer dans le fonctionnement et qu'on traitait à part que l'exceptionnel. Bon, enfin, c'est un discours différent en fonction des conseils. Juste un point, c'est à mon initiative, j'ai demandé de sortir cette somme, étant donné que vous savez très bien que la métropole, on a à l'étude, effectivement, le fait de reprendre
au niveau des équipements sportifs ou culturels à vocation communautaire, hein, métropolitaine, de reprendre ça au niveau de la gestion de la métropole. Et nous ne sommes pas certains que le prix des lignes d'eau soit maintenu à cette enveloppe-là. Voilà. Bon, mais écoutez, on verra bien. On verra bien l'année prochaine, bien évidemment. Y a-t-il d'autres questions, non, Madame Lambrèche? Non, puisqu'on n'a pas de comparatif, c'est difficile ce qu'on sait pour ou contre. D'accord. Mais on vous le fournira, comme d'habitude. On vous le fournira, Madame Lucchini, ça vous évitera d'écrire des bêtises. Mais qui bien est sûr. Contre? Qui s'abstient? Je dirais, j'ai le bon exemple. Merci. Subvention, cette fois-ci exceptionnelle, rapport numéro 10 aux associations locales pour l'année 2016. Donc vous avez toute une série de subventions avec le détail du projet qui a été défendu par les associations. Et ça représente donc pour l'instant, puisque vous savez que les subventions exceptionnelles peuvent être déposées durant toute l'année budgétaire, ça représente un total de 57 984 euros. Y a-t-il des questions? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 11, justement, participation municipale au projet en classe transplantée pour l'année scolaire 2015-2016. On va demander d'abord aux adjoints des conseillers municipaux de revenir. Chaque année, je vais laisser la parole à Angélique, puisque c'est elle qui a défendu et instruit les dossiers. Madame Forté. La municipalité a décidé de soutenir financièrement les séjours en classe transplantée des écoles primaires. En effet, la politique municipale en matière d'éducation est de favoriser et de soutenir tous les projets visant l'épanouissement intellectuel et personnel de tous les enfants. La participation financière municipale a été déterminée en tenant compte des critères suivants. Les séjours doivent être de plus de 3 jours et au plus 5 jours. La prise en charge est de 50% du coût du séjour, incluant le transport, plafonné à 30 euros par jour et par participant. Ce rapport est soumis à l'approbation de la commission des finances du 27 janvier 2016. Donc, après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la participation financière de la commune dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Y a-t-il des remarques ? Des questions, puisqu'il manque les intitulés des colonnes, donc on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Alors, vous avez l'école. Les classes concernées, le nombre de jours, le nombre d'enfants, les accompagnateurs supplémentaires, donc le nombre de personnes totales, le prix total du séjour, ensuite la participation unitaire, le prix unitaire par enfant, par personne, pardon, le coût du séjour par participant. Le coût du séjour total de la participation municipale. Ouais, il y a un petit peu aussi. Et le montant de la participation municipale pour chaque établissement. Et le coût total qui reste à la famille, l'avant-dernière colonne. Et après, ben, le lieu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc ça, c'est ce qui reste aux familles pour faire rentrer les enfants. Ouais. C'est la participation restant à la charge de la famille. Juste une question, mais c'est bon, ça passe très vraiment au rapport, mais je vois que vous intervenez sur le rapport. Est-ce que ça veut dire que finalement les délégations vont rester sensiblement les mêmes? Non, c'est les anciennes délégations, c'est pour oui, ça mais que c'est bon, c'est pour savoir si les rapports ont été, entre guillemets, rédigés en fonction des anciennes délégations. Mais ça va rester sensiblement identique? Écoutez, vous le découvrirez
la semaine prochaine quand je ferai les arrêtés de délégation. Oui, mais les arrêtés de délégation, faut-il venir encore ici pour en prendre connaissance parce qu'ils ne sont pas adressés et leur... Je vous les adresserai avec plaisir. Oui, comme d'habitude, vous les adresserez, vous me ferez parvenir. Voilà. Et comme nous avons des amis... On demandera au service juridique qui a pris note de vous adresser les arrêtés de délégation que je signerai. C'est très bien, voilà. Prenez note, voilà. Nathalie, parce que je pense que là, on va avoir... C'est très bien, merci Madame Bouchini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors désolé pour cette erreur matérielle. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Rapport numéro 12. Contrat de prêt à usage entre la commune et Monsieur Marc Gigantino et Madame Sylvie Restivo. Je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Oui, la commune avait consenti un prêt à l'usage, donc monsieur et madame Vella, pour les parcelles 222-225 situées en bordure du Valat de Valaga. Donc ces personnes ont vendu leur propriété à monsieur Marc Gigantino et madame Sylvie Restivo. Donc il consiste à transférer nominativement donc le prêt à l'usage donc de M. et Mme Vella à M. et Mme Marc, pardon, à M. Marc Gigantino et Mme Sylvie Restivo. Tout simplement pour qu'ils puissent bénéficier de la jouissance de ce terrain. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je vous demanderai de retirer le rapport numéro 13 en tant que tel, puisque il y a encore des discussions avec le tissu associatif dans sa globalité, c'était une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Atelier Créa Loisirs. Voilà, donc l'ordre du jour est épuisé. Je vais juste vous rappeler quand même le déroulement de cette journée assez singulière. Nous allons faire quelques guichets pour la photo officielle avec l'ensemble du conseil municipal, y compris l'opposition si elle veut bien se joindre à nous. Puis nous irons, comme la tradition le veut, déposer ensemble une gerbe devant le monument aux morts. Et ensuite, on vous convie, tous les Rognacais ici présents, et c'est une occasion pour moi de remercier l'ensemble des Rognacais venus si nombreux à cette séance de conseil municipal. On vous conviera vers 18h à un pot de l'amitié, un verre de l'amitié, dans cette salle d'honneur. Voilà, merci encore à tous.